je les ai rencontrés il y a environ un an lors d'une conférence à Valenciennes. Et donc, ils m'ont exposé un petit peu le but de l'association. Et j'ai bien sûr été tout de suite extrêmement sensible à leur action, puisque bien sûr, essayer de faire courir des enfants, moi qui suis un coureur à travers le monde, ça a été pour moi extraordinaire. Je me suis dit, voilà un truc extraordinaire. Et donc, j'ai eu envie de les aider. Et donc, ils avaient envie que je participe à leur aventure. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et ben voilà, l'aventure est partie cette fois-ci. Et donc, pour essayer, bien sûr, entre guillemets, d'être un ambassadeur à la hauteur, bien sûr, de l'âme de joie, et surtout faire connaître justement cette association et récolter des fonds pour, bien sûr, pouvoir équiper le plus d'enfants possible. Vous savez, quand on est un privilégié comme moi, qu'on vit de sa passion, on se doit justement de partager au maximum et d'être justement à même un jour ou l'autre, et c'est le jour, de s'investir pour une cause, parce que je ne l'ai jamais fait et celle-ci me tient vraiment à cœur. Donc oui, non, c'est avec grand bonheur que je participerai à tout ça. Et, je serai à l'effigie, je serai même plus qu'à l'effigie, je porterai le message. L'idée, c'est de courir 1000 marathons, donc 1000 marathons à travers la France, donc 42 195 km. Mais surtout, au-delà du défi sportif, ça sera un challenge, le partage, et surtout, faire connaître cette association, faire connaître son actualité, son but, et bien sûr de récolter des fonds pour équiper les enfants. Donc ça sera un grand moment où les gens viendront courir avec moi, où je leur expliquerai voilà pourquoi je cours pour l'âme de joie et quelle est son action. Ce tour du monde, il a été révélateur pour moi. J'étais parti pour battre un record et finalement c'est devenu anecdotique de battre le record. C'était surtout la simplicité, je reviens sur le mot simplicité, la rencontre avec les autres, le partage avec les autres. J'ai beaucoup appris sur ce tour du monde, d'abord à partager, à être à l'écoute des autres, et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, quoi.